Aujourd'hui, on brasse de la Noisy Pale Ale, qui est le produit phare de la gamme Nocian. C'est la première bière que j'ai brassée. On est en train pour l'instant de faire l'empâtage, c'est-à-dire qu'on va additionner à de l'eau à partir de 50 degrés une certaine quantité de malt. Et on va faire passer ce malt à différentes températures afin d'activer ou de désactiver des enzymes qui vont permettre d'extraire tout le sucre qu'il y a dans la céréale. Et ce jus sera transféré plus tard pour être filtré dans la cuve de filtration qui est derrière vous. Donc là, nous sommes à une température de 62 degrés, c'est le deuxième palier de température. Chez Nocian, on brasse dans la pure tradition belge. On ne fait pas du monopalier comme il se fait en général sur les IPA anglaises ou autres. On a des paliers qui démarrent de 50 degrés, 62 degrés, 68 degrés, 78 degrés pour couper les enzymes et avoir un mou le plus riche en sucre possible. Dans la brasserie maintenant. Alors, une fois qu'on a terminé les multipaliers pour extraire les sucres du grain, le mou est envoyé dans la cuve filtre grâce à une pompe qui va envoyer l'intégralité de l'eau et du grain dans ce filtre et la bière va être filtrée très doucement pour essayer d'extraire un maximum de sucre. Ouais. Pour ce faire, on va rajouter une certaine quantité d'eau au-dessus du grain, de l'eau chauffée, qui va créer un piston au-dessus du grain et ce piston va pousser les sucres dans le fond du filtre pour que vraiment tous les sucres soient extraits. Quel type de l'eau vous utilisez en fait? Alors sur Bruxelles, j'utilise ici de l'eau de distribution commune. Tap water. Ouais, tap water. Okay. C'est une eau qui est très dure, ça c'est assez dommageable pour la brasserie. On espère toujours avoir une eau acide pour mieux extraire les arômes et pour mieux les fixer. Et pour extraire plus de sucre, il est préférable d'avoir une eau acide. On n'a pas cette chance là sur Bruxelles. On a une eau basique, mais c'est une eau qui contient beaucoup de magnésium et ce magnésium est important pour nourrir les levures. Okay. Voilà. Alors, pour avoir de l'eau acide, je corrige le pH de l'eau avec un peu d'acide lactique. Okay. Pour diminuer le pH, favoriser l'extraction des sucres et fixer les arômes. Le final, on doit le faire à la casserole. Ah, ça c'est juste les derniers litres.
Voilà. Et dès que le système est tourné, oui. Vous avez aussi beaucoup de travail de oui. nettoyer. En fait, je n'ai pas une brasserie full automatique. Donc, à chaque étape, je dois changer des canalisations, je dois changer des vannes pour pouvoir filtrer, transférer ou chauffer le mou. Oui, voilà. C'est ça. Et il y a un dicton qui dit que quand on est brasseur, il faut aimer l'eau parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour le nettoyage, que ce soit des cuves, du sol ou des tanks. Maxime, je vois derrière de vous tout c'est prêt pour faire la dégustation. Tout à fait. Alors, je suppose... on peut commencer maintenant avec vidéo 3, la dégustation de No Science.